On en a parlé, mais vu qu'il n'a pas la main libre par rapport à ça, moi je l'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Du moment, quand ça va se faire, il n'y aura aucun moment. Moi, quand ils sont en Europe là-bas, je suis tout le temps à côté, on échange sur pas mal de choses et le courant il passe facilement. Parce qu'on parle de football guinéen, on est tous les deux guinéens et nous voulons tous la même chose. Donc du coup, il n'y a jamais eu de difficultés. Si on a parlé, donc du coup, pour l'instant, à ce jour, l'aide que je peux apporter à Kaba, c'est de faire de telle sorte que cette catégorie reste en compétition. Si cette catégorie reste en compétition, ça va permettre à Kaba, avec le nombre de jeunes qui ramènent en sélection, de les voir. Parce qu'il y a certains gamins qui peuvent être là pendant les rassemblements. Il ne peut pas les mettre tous. Donc, ils n'ont pas un temps de jeu conséquent pour que Kaba puisse tout de suite juger ces jeunes. C'est vrai que c'est des talents, mais c'est plus facile de les voir en compétition et en sélection surtout.